Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce 20e siècle et dans ces derniers jours, je voudrais m'arrêter sur l'encyclique de Pie XII, Orietis Aquas. On a déjà évoqué la place des papes, hein, à partir de Clément XIII, qui avait donné la première autorisation à l'église de Pologne de célébrer la fête du Sacré-Cœur, puis Pie IX, puis Léon XIII. On a cité plusieurs fois ces papes. Aujourd'hui, je m'arrête sur l'encyclique de Pie XII parce qu'en fait, elle est assez fondamentale. Pie XI avait déjà écrit une encyclique hein, sur le cœur de Jésus. Cette encyclique Miserentissimus Redemptor, le Rédempteur très miséricordieux, avait été publiée 8 mai 1928. C'était vraiment sur le thème de la réparation envers le Sacré-Cœur qui était évoqué ici, entre ces deux conflits mondiaux. Et bien là, après le deuxième conflit mondial, Pie XII, dans une encyclique qui s'appelle Orietis Aquas in Gaudio, voilà, les fleuves d'eau vive, hein, nous irons dans la joie, puiser aux sources vives du salut, cette référence d'Isaïe, eh bien, va nous développer le culte et la dévotion du Sacré-Cœur. Et donc, c'est une encyclique que je vous invite à lire, notamment dans ce parcours sur la tradition, parce qu'il va reprendre la définition du Sacré-Cœur, finalement, qu'est-ce que nous adorons, qu'est-ce que nous vénérons quand nous vénérons le cœur de Jésus. Et puis, il va regarder l'enracinement biblique, ce que vous avez déjà eu, ce que nous avons essayé de vous proposer aussi, mais il va donner d'autres références, tout l'enrichissement de la tradition, ce que nous essayons de faire, mais encore une fois, que nous survolons un peu largement, il va vous redonner des références, d'autres pères de l'Église et d'autres références. Et va sûrement compléter aussi, enfin ce sera un bon complément pour approfondir et il va nous aider à revenir un peu sur le sens de cette dévotion et l'importance de cette dévotion. Alors je voudrais citer quelques références, d'ailleurs pas que du Pie XII, puisque dans son texte il cite Léon XIII et Pie XI et j'aimerais vous citer aussi ces textes. Et notamment il cite Pie XI lorsqu'il réfléchit sur l'excellence du culte du Sacré-Cœur. Eh bien, il dit « Dans cette dévotion, n'y a-t-il pas la synthèse de toute la religion et plus encore la norme d'une vie plus parfaite, capable d'acheminer les âmes à connaître plus profondément et plus rapidement le Christ notre Seigneur, à l'aimer plus ardemment, à l'imiter avec plus d'application et plus d'efficacité ?» En citant Pie XI, il donne trois verbes qui me semblent très intéressants dans notre manière de vivre notre amour pour le cœur de Jésus. « Connaître, aimer, imiter ». Connaître le cœur de Jésus, au fond, eh bien, pour connaître Jésus-Christ notre Seigneur, passer par le Sacré-Cœur va nous aider à mieux approfondir, mieux connaître, plus profondément, plus rapidement aussi, dit-il, le Christ notre Seigneur. Tous les sentiments qui habitent le cœur de Jésus, finalement, je contemple dans le cœur de Jésus tout le ministère public de Jésus et j'entre dans cette connaissance de Jésus. Voilà, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Et face à cet amour de Jésus qui m'a aimé et s'est livré pour moi, hein, jusqu'à avoir son cœur transpercé, il m'invite à l'aimer plus ardemment. La réponse d'amour qui est présente ici. Vous voyez comment ma vie avec le Seigneur, c'est il m'a aimé, il s'est livré pour moi, mais Seigneur, je veux t'aimer aussi en retour. Et puis la troisième chose, à l'imiter avec plus d'application et plus d'efficacité. En contemplant ton cœur, Seigneur, je veux apprendre à aimer comme tu aimes. Je veux te demander la grâce de me montrer comment aimer mes frères et me donner à eux. Donc voilà, il reprend ce thème fondamental, cette structure de la vie chrétienne, au fond, connaître Jésus, aimer Jésus, imiter Jésus. Il va aussi nous aider à rentrer un peu plus dans le sens du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, il dit, c'est la plus noble part de sa nature humaine, unie hypostatiquement à la personne du Verbe divin. Voilà, bien plus que l'organe de chair, même s'il est déjà, il a toute une grandeur, ce cœur de chair de Jésus, c'est son union hypostatique, c'est-à-dire l'union de ses natures, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'amour humain, il va développer un triple amour en fait dans son encyclique sur l'amour de Jésus, il y a l'amour de l'homme Jésus, hein, l'amour de tous les sentiments qu'il a eus, qui vont être unis à l'amour divin, parce qu'en Jésus, il y a toute la plénitude de la divinité, et puis il y a tout son amour de cette volonté de faire la volonté du Père. Donc il y a un triple amour, l'amour de ses sentiments, l'amour de sa volonté et l'amour de sa divinité. Et tout cela est uni. Vous voyez, et donc quand je contemple le cœur de Jésus, je ne contemple pas juste qu'un organe au milieu des autres organes. Non, ce n'est pas cela le mystère du cœur de Jésus. C'est tout l'amour de Dieu, de Jésus vrai, Dieu vrai homme, qui nous a aimés avec un cœur d'homme, mais qui nous a aimés dans lequel est présent tout l'amour divin. Vous voyez, et toute cette volonté de Jésus d'aimer, d'entrer dans cet amour. Voilà, donc il va redévelopper cette question du symbole, justement, comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce symbole du cœur de chair. Et vous voyez, ça me semble important de reprendre cette vision globale. Voilà, et avec toutes les citations, il va nous enrichir ce mystère, cette manière de vivre ce culte du cœur de Jésus.
et avec ce culte dont il dit l'acte de culte par excellence, parce qu'il requiert notre volonté de nous vouer et consacrer à l'amour divin du Rédempteur, de lui rendre amour pour amour. Les cœurs des hommes doivent se soumettre, ne faire qu'un avec lui. Voilà, nous voulons notre culte, et il donne une bonne définition de ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur. Le pape François reprendra cela lorsqu'il dit la dévotion va être un beau dans l'exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile. Il va reprendre cette question de la dévotion populaire qui va être en fait l'expression du cœur. Lorsque je vois ces gens en procession avec un cierge, je vois tout l'amour qu'ils portent intérieurement. Et donc le pape Pie XII reprend cela dans son exhortation sur le culte envers le cœur de Jésus. Au fond, c'est notre manière de nous livrer. Nous nous livrons et nous nous consacrons au cœur de Jésus. Nous voulons lui rendre amour pour amour et nous voulons nous laisser guider profondément par tout ce qu'il nous inspire. C'est ça le sens du Sacré-Cœur. Et voilà ce qu'il définit comme, c'est évident que le cœur de Jésus va nous aider, va aider tout chrétien à être ce fils bien-aimé du Père, à aimer, à vivre le commandement de l'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc un document magnifique, et autour de cette figure de Pie XII, nous pourrions approfondir tout le travail des théologiens. Et je n'aurai pas le temps de l'évoquer dans ce parcours de la tradition, mais au XXe siècle, si nous restons sur les jésuites, Balthazar, Le Cœur du Monde, Karl Rahner va écrire beaucoup méditer sur le cœur de Jésus et avec des textes magnifiques. Et puis le père Édouard Glotin, qui à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, nous livre la Bible du cœur de Jésus. Voilà encore un jésuite qui répond à son appel de méditer sur le cœur de Jésus et nous en faire comprendre l'intelligence et l'importance pour notre vie chrétienne. Donc, rendons grâce à Dieu pour tous ces théologiens, tous ceux qui sont au travail encore aujourd'hui, pour creuser les mystères, pour nous aider à mieux les comprendre et à mieux, à notre tour, connaître, aimer et imiter le cœur de Jésus. Je vous souhaite une belle journée.